Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, présentez-vous. L'âge Mamadou Mansarin, secrétaire général adjoint de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée-CNTG, président de la commission de négociation de l'intercentrale CNTG-USTG. Ok, monsieur Mansarin, d'entrée, on va vous demander de nous faire le bilan de la grève perlée que vous avez lancée à deux reprises déjà. Et comme vous-même vous l'avez constaté, c'est un succès total. Les jours de grève perlée qui ont permis d'attirer l'attention sur la grogne de la classe ouvrière qui n'entend pas baisser les bras et qui est toujours mobilisée à défendre ses intérêts. Donc pour moi, c'est un succès. Et vous avez vu le couronnement hier par la marche de la société civile. Oui. Donc cela devrait interpeller le gouvernement Kassori à faire marche arrière, parce que avant tout, si tu entends gouvernement, c'est que tu gouvernes un peuple. Monsieur Mansarin, le lundi dernier, il y a eu une rencontre entre vous, le gouvernement et le patronat. À l'issue, il n'y a eu aucune entente entre les trois parties. Est-ce que depuis lors, vous avez été contacté par le gouvernement? Il n'y a plus de contact parce que le dialogue a été rompu. Et nous n'avons pas compris le revirement du patronat guinéen qui jusque-là était avec nous et qui partageait les mêmes idéaux que nous, qui n'était pas d'accord de la décision unilatérale. Certainement, ils ont eu des pressions parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, nous avons compris que le dialogue ne pouvait pas continuer et de cette façon-là, nous avons préféré quitter la table de négociation jusqu'à ce que les mesures idoines soient prises pour qu'un vrai dialogue soit engagé conformément au protocole de 2008 okay. Et de 2016. Ok, M. Mansari, aujourd'hui, conformément à ce que vous avez dit, la grève perlée va prendre fin aujourd'hui, mercredi. À quoi on va s'entendre dans les prochains jours? Dans les prochains jours, toutes les options sont sur la table. Ça dépendra de l'Assemblée générale des travailleurs, de la grève perlée à la grève illimitée et à la manifestation. Parce que le droit de manifester aussi nous est reconnu comme en 2007. Et cette fois-ci, c'est toute la Guinée qui vous pourra manifester. Okay. Et à la même heure. Ok, M. Mansari, dans le quartier, on attend certains qui disent que les syndicalistes ne pourront pas mener à bout le combat que vous avez commencer. Certains disent qu'avec la pression du gouvernement, vous allez céder. Que répondez-vous à ces gens? Mes amis de Guinée-Matin, certes que vous êtes jeunes, mais vous savez très bien que rien n'a été acquis sans l'intercentrale, l'indépendance, la démocratie avec les militaires, les acquis sociaux. Ça, ce n'est pas une autre force qui a fait cette lutte. C'est cette CNTG, l'USTG qui ont fait cette lutte-là. Donc, quand certains disent certaines paroles, moi je n'écoute pas. Moi ce que je vois, c'est la réalité que nous avons sur notre main. Il n'y a aucun acquis aujourd'hui social qui n'est pas l'œuvre de la CNTG. Il n'y a aucun combat démocratique qui n'est pas l'œuvre de la CNTG ou de l'USTG. Même l'indépendance, même, c'est le combat syndical. Donc qu'on cesse de raconter ce qu'on a à raconter, c'est des bobards. Nous, cela ne nous dérange pas, nous sommes libres avec notre conscience et la preuve est que peut-être le peuple va nous lâcher, mais nous, le peuple va nous lâcher, mais nous, on restera déterminés jusqu'au bout. Monsieur Mansari, puisque votre grève perlée a vraiment paralysé Conakry, même l'intérêt du pays, est-ce que vous avez reçu des menaces de la part de certaines personnes? Non, nous n'avons pas l'habitude de mentir, nous n'allons pas mentir. Nous n'avons pas eu de menaces à proprement parler individuellement, mais le message que le ministre de l'Intérieur a passé, pour nous le considérons comme une menace. Et je vous rappelle que c'est sa circulaire qui a été à la base de la grève très forte de 2007. Et cette fois-ci encore, son intervention a poussé la manifestation d'hier. Vous avez vu comment la population est sortie. Et aujourd'hui, quatre de nos syndicalistes qui étaient dans les gares routières pour surveiller les véhicules ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Et d'après nos renseignements, qu'ils ont été déférés
à la justice de Mafanko pour la maison centrale, que c'est sur ordre du Premier ministre. Donc nous donnons jusqu'au vendredi, si nos gars ne sont pas libérés, nous serons obligés de déclencher la marche verte. Qu'est-ce que le ministre de la Sécurité a dit dans la circulaire, selon vous, qui a déclenché la marche d'hier? Vous avez tous suivi ses déclarations, quand il traite de bateaux, de criminels, de ceci, de cela. Le ministre de la République ne peut pas parler comme ça dans des périodes de tension, comme ça, de haute tension. Qui est criminel? Qui est Louba? Est-ce ceux qui volent le peuple de Guinée? Ce qui fait aujourd'hui que nous sommes endettés, ceux qui font aujourd'hui que pour même faire une petite échographie on est obligé de se rendre au Sénégal, ceux qui font aujourd'hui qu'on n'a même pas de route, même le litre de carburant là, quand tu prends la structure du prix du carburant, le fonds minier, où va l'argent? Toutes nos routes, même dans les capitales, sont défoncées. Alors qu'on ne nous raconte pas, vous avez écouté hier le Premier ministre, combien de milliards sont engloutis pour transporter les ordures ne bougent pas. Alors que c'est très simple, mon cher ami. Si on disait que 1 kilo, l'argent qu'ils ont affecté comme ça, là, aux ordures, si on disait aujourd'hui que maintenant le kilo d'ordures, c'est 100 francs, et que toutes les boutiques qui sont là, ils payaient un impôt de 1000 francs, vous ne voulez plus d'ordures, on n'a même pas besoin de dépenser les milliards et les milliards là, où les milliards là s'en vont? C'est dans la poche de ces autorités, alors qu'en mettant en place un vrai programme, toutes les boutiques qui sont là, on leur dit seulement de payer 1000 francs, et que tu vendes le kilo à 200, tu ne verras pas d'ordures. Et il suffit simplement d'aller voir dans les anciennes carrières là, hein, parce que toutes les carrières qui sont à l'alentour de Koya, du Breka, c'est des carrières qui ne pourront jamais être remplies. Donc on peut entreposer là-bas les ordures, trier, déposer les ordures, faire passer les bulles là-dessus, compacter, et après un certain temps, on a de l'engrais. Ça, c'est du terre à terre, ça. On est capable de le faire. On n'a pas besoin d'être docteur pour penser à de tels trucs. Donc, il y a des choses très simples à faire qu'on veut compliquer. Tout ça pour faire sortir de l'argent. Et après, on nous dit qu'il faut augmenter le prix du carburant. Voilà pourquoi nous disons non. Monsieur Mansaré, après la rencontre du lundi avec le gouvernement, des rumeurs ont circulé sur une éventuelle baisse du carburant à 9000. Et si cela se confirmait, qu'est-ce que vous allez accepter cette décision? Pour nous? Pour nous, oui. Nous revenons à 8000, on nous démontre pourquoi il faut augmenter, nous voyons le budget, s'il y a cohérence entre le budget et les vrais besoins du peuple de Guinée. Parce que moi je ne peux pas comprendre qu'on me dise de payer un impôt, parce que c'est un impôt indirect que je suis en train de payer sur le carburant comme ça. On me dit de payer de l'impôt sur le carburant, alors qu'il y a un ministère qui a 100 véhicules qui tournent 50 litres par jour, c'est-à-dire 24 heures sur 24, du lundi au dimanche sans arrêt. Est-ce que cela est possible? Donc voilà, si le gouvernement Kassori est venu pour faire du bien pour ce peuple-là, il devait commencer par élaguer tous ces troncs d'arbres pourris-là, donner un vrai budget au peuple de Guinée, après nous demander de faire des sacrifices. Monsieur Mansaré, une dernière question. Quel est votre message à l'endroit de vos collègues syndicalistes, puisque le combat que vous venez d'entamer est encore rude? Moi, je dirais à l'ensemble de la classe ouvrière d'abord d'être mobilisée. À tous les syndicalistes, que cette lutte appartient au peuple de Guinée. L'histoire jugera chacun. Un grand leader a dit, la lutte continuera sempre. Chacun va être jugé de même par l'histoire. Et c'est ça qui est le plus important. Et devant ton créateur, on te posera la question. Il dit, toi, je t'ai créé, je t'ai donné un pouvoir pour défendre mes miskines, mes sans-voix. Qu'en as-tu fait de ce pouvoir-là? Ce jour-là, c'est le plus grave, c'est le plus dangereux. Tu ne seras avec personne.
C'est toi seul et ton fardeau. C'est ce moment-là qu'il faut craindre. Et c'est pourquoi j'invite tous les syndicalistes à jouer le franc jeu pour que réellement on aide ce peuple à sortir de l'ornière. Et mon appel aussi, je le lance au président Alpha Condé, qui est le seul dépositaire du mandat démocratique du peuple de Guinée. Donc, moi je le demande de prendre ses responsabilités. Quand le peuple crie, il crie à celui qui l'a mis en place. Donc il n'a qu'à entendre la voix de son peuple. Son gouvernement n'est pas sur la bonne voie et je le prie d'entendre le cri de ce peuple-là. Je vous remercie. Merci.